Alors, bien sûr, voici Guigui, le chien de Shakiba. Donc, voilà. Lui, c'est Guigui, le chien de Shakiba, qui est super intelligent et pro en maths. Il sait tant les matières. Donc, Guigui est un chien magicien de Shakiba, l'acolyte pour dominer le monde, mais sûrement il traite un peu comme un objet, hein. Lui, c'est un type terre et magique. Il a des cousins. Il a un cousin. Son cousin, c'est Chien Pirate. Et comme il a un faible pour les maths non résolus, comme exemple, Inata a fait semblant de ne pas connaître la réponse, comme mais tiens, mais combien fait 40 plus 40? Mais c'est hyper compliqué! Non, Inata, tu connais la réponse. 40 plus 40 égale 80! 40 plus 40 égale 50. Non. Ok, cette fois, c'est une technique efficace contre les intellos. Exemple. Vous avez un ami qui s'est bien caché. Et vous ne savez pas comment le faire sortir de sa cachette. Vous faites semblant de ne pas connaître la réponse pour qu'il ait la réponse et vous le trouvez. Comme 40 plus 40 égale 60. Non. 70? Non. 40? Non. 61? Non. 100? Non. 110 pour la vie, peut-être. Ami pour la vie! Vous dominez le monde! Je dominerai le monde avec mon maître. Non, non. 40 plus 40 égale 80! 40 plus 80! Pigé! C'est comme ça que je peux pas résister au maths, non, désolé. Sinon, je suis avec René qui ne s'occupe plus jamais. Donc, il est l'allié du génie du mal. Son aliment préféré, c'est la viande, comme c'est un chien. Un chien malicien et tout magique. Et voilà. Je sais, c'est un chien qui porte des lunettes. C'est pas l'affaire du monde. Et voilà. Maintenant, c'est la fin de la vidéo. Que j'espère que ça vous a plu. Et. Et sur mes vous abonnez bien et surtout à tout à l'heure les amis.